L'Africain en général a vécu dans une espèce d'attitude qui est somme toute celle d'un esclave, dans la mesure même où il se définissait non pointant par rapport à une espèce d'authenticité propre à son terroir, mais par rapport aux critères de la civilisation blanche. Si vous voulez que j'ai été appelé à être écrivain ou autre chose, je pense que j'ai peut-être, si vous voulez, la vocation d'une œuvre, dans la mesure où... Une œuvre ? Oui. Mais pas d'un métier. Et le colonialisme blanc n'est qu'un mince épisode dans une suite d'exactions qui trouve son origine avec la dynastie des notables africains, ensuite celle de la conquête arabe, enfin la période proprement dite de l'occupation française. De Renaudot 1968 a été attribué à Yambo Wologwem. Et comment accueille-t-on le prix Renaudot, surtout pour un premier roman ? C'est le moindre de mes soucis, dans la mesure où, de toute façon, je suis persuadé qu'il n'y a plus de médaille que d'écrivain. Par-delà le problème un peu facile, noir-blanc, il faudrait arriver à éviter cette espèce de domaine tabou qui fait que l'on ne s'attaque pas au nerf des problèmes. Dans la mesure même où la sexualité est revêtu de mystères, d'interdits, et que la libido demeure une chose assez infamante et obscure, il y a fatalement une espèce de prestige assez inquiétant d'ailleurs de la sexualité nègre, avec tout son aspect effréné. De violence, livre remarquable, puissant par le style, par son propos, dérangeant, troublant.